la fin du XXe siècle, une vague de violence déferle sur les États-Unis. La ville de Los Angeles est ravagée par le crime et l'immoralité. Pour protéger et défendre ses citoyens, une unité spéciale des forces de police est créée. Un candidat à la présidence prédit que le tremblement de terre prévu depuis 1000 ans détruira Los Angeles comme un châtiment divin. Comme le puissant poing de Dieu, Armageddon va descendre sur la ville de Los Angeles, la cité du péché, la cité de Gomorre, la cité de Sodome, et les eaux vont s'élever et séparer la ville pécheresse entre toutes de notre pays pour toujours. Un tremblement de terre de force 9,6 sur l'échelle de Richter a eu lieu à 12h59, le 23 août de l'an 2000. Constitution est amendée et le président nouvellement élu accepte un mandat à vie. De préserver et protéger. La capitale du pays est déplacée de la ville de Washington à la ville natale du président, Lynchburg, en Virginie. L'île de Los Angeles est déclarée ne faisant plus partie des États-Unis et devient le lieu de déportation de tous les gens considérés indésirables ou inaptes à vivre dans la nouvelle Amérique morale. L'unité spéciale des forces de police, comme une armée, campe le long de la côte, rendant toute évasion de Los Angeles impossible. Des collines d'Orange County au sud-est, aux plages de Malibu au nord-ouest, le grand mur sépare Los Angeles du continent. Le premier acte du président en tant que commandant en chef de l'armée et de la police est la directive 17. Dès qu'un Américain ou une Américaine perd sa citoyenneté, il est déporté sur cette île de damnés et ne revient jamais. À Firebase 7, le centre de déportation pour l'île de Los Angeles. En direct, notre envoyé spécial. Le héros de guerre, le criminel, l'homme le plus recherché par la police, reconnu coupable de 27 crimes moraux, a été arrêté il y a 2 semaines sous l'inculpation de rixes armés à but lucratif à New Vegas en Thaïlande, territoire des États-Unis.